tester 47, 30. $47.30, c'est vraiment un bon point, un point d'achat intéressant. Zut, il y a une rotation là qui est en train de se faire. J'ai pris un contrat à l'achat. Qui est en train de se faire, donc j'ai acheté ici, hein. J'ai acheté là, je vise un retour VWAP sur 47,60. Donc là, on est à distance de la news. Hein. Il ne faut surtout pas traiter une news tout de suite après. Hein. Il faut laisser passer 20 minutes, 30 minutes, même une heure des fois. Voir un petit peu ce qui se passe au niveau du price action, des volumes. Ce que les acteurs font, qui rentrent dans le marché en termes de volume acheteur et vendeur. Tenter quelques trucs. Si ça prend pas, si la mayonnaise prend pas, on coupe tout de suite et on essaye autre chose. Là, vous voyez, ça prend pas. Donc, je vais pas attendre sans s'étendre. Je vois qu'en plus, il y a une pression au-dessus. Si mon point d'entrée tient pas, là, je vais sortir très vite et je vais attendre un peu et envisager peut-être un autre scénario. On va voir. Faut qu'on dégage de cette balance, là, ici. Là, ça y est. Vous voyez, donc, il y a une rotation qui est en train de se faire. C'est pour ça que j'aime bien le point et figure, parce qu'on voit bien les rotations se faire et on voit bien les imbalances acheteuses en bas des rotations up et les imbalances vendeuses en haut des rotations down. Donc là, ils sont allés retoucher VWAP. Petite réjection sur VWAP. Ça va être le test, hein, s'ils arrivent à repasser VWAP ou pas, ou si ça redescend. Ça va être le test pour savoir si le trade va prendre ou pas. Voilà, sur le retracement, on voit qu'il y a une imbalance acheteuse qui se fait. On voit là dans Bookmap qu'il y a un petit support qui se fait. Il faut que ce support-là il tienne. Ensuite, il y aura le point d'entrée. Si jamais il tient pas, on sort. Pour l'instant, le support ici tient. À peu près 47-48. Donc c'est défendu, ça recharge, les ordres limites ici rechargent à chaque fois qu'on s'y présente. Un peu de spoof aussi, mais ça c'est pas forcément bon signe pour nous.
Si c'est du spoof directionnel, c'est bien. Si c'est du spoof juste pour aller vendre un peu plus haut, c'est pas bon pour nous. On le saura si on c'est quand on va se représenter sur VWAP. Si VWAP rejette une nouvelle fois, ça va pas sentir très bon pour le trade. Si VWAP casse par le haut, on peut tenir le trade un petit peu plus longtemps. Pour l'instant, ça passe pas. Hein. Il y a du reload donc au bid comme tout à l'heure, vous voyez. Mais il n'y a pas d'agression acheteuse derrière au niveau des ordres de marché. Donc pour l'instant ça ne donne rien. Il y a un petit support qui se crée, mais ça ne va pas tenir forcément parce que les acheteurs n'agressent pas derrière. Mais ça reload encore. Le support est toujours là, mais ça ne veut pas passer parce que les acheteurs ne sont pas suffisamment agressifs. Les acheteurs marchés ne sont pas suffisamment agressifs. Donc ça ne passe pas. Donc VWAP va bien rejeter pour l'instant. Mais on est toujours dans le scénario de cette rotation up. Et c'est la capacité au prix de dépasser VWAP qui va me dire si le scénario va se valider ou pas. Là, on est à une demi-heure de la news, donc on est suffisamment à distance. La volatilité est moyenne, donc je vais sortir parce que vous voyez, ça retrace un petit peu trop. Pas la peine de faire une perte, ça sert à rien. Donc VWAP a bien rejeté pour l'instant. Donc à 1 heure, à 30, 60 minutes après une news, la volatilité a rebaissé, le carnet s'est à nouveau rempli, et le price action redevient cohérent. Donc là, on peut commencer à essayer quelques trucs. Mais on fait pas ça tout de suite après la news, bien entendu. Hein. J'ai jamais dit ça. Hein. Surtout pas. On attend que les choses se posent. Beau support là qui s'est fait, mais toujours pas d'agression acheteuse derrière. Voilà, c'est ça que je veux, moi. C'est qu'on soulève l'ask. Je veux voir des ordres marchés à l'achat soulever l'ask. Je veux voir des gros ordres marchés à l'achat, chose que je ne vois pas pour l'instant. Il y a effectivement des acheteurs par le biais des ordres limites, il y a des acheteurs passifs, mais il n'y a pas d'acheteurs agressifs. C'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je ne suis pas tranquille pour l'instant. Je m'apprête à scratcher le trade si jamais, s'il le faut. Par contre, si le trade part, je m'apprête à le tenir le plus longtemps possible. En termes de scalping, je parle. Je ne vais pas le tenir 1 heure non plus. Hein. Je vais le tenir. J'aimerais bien faire entre 20 et 40 ticks. Et il faut déjà que la mayonnaise prenne. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a une amorce de support dans le carnet, de retracement, de rotation up. Hein, mais elle n'est pas confirmée, elle n'est pas validée pour l'instant. Elle va être validée uniquement si les acheteurs deviennent plus agressifs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les vendeurs, vous voyez, sont toujours là. On le voit là dans le footprint.
Et ils sont extrêmement voraces, extrêmement agressifs. Donc c'est pour ça que ça passe pas. On est acheteur sur le pétrole. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est bearish sur le pétrole. Donc on est à contresens. Donc il faut faire attention. Mais ça passe vraiment pas. Donc là, un price action comme ça, c'est ça doit vous alerter. Il faut se préparer à scratcher le trade. Si besoin. Si on passe ce support là, d'ailleurs je vais mettre mon stop en dessous. Je vais mettre mon stop à plus 2 et on cherchera autre chose à faire, c'est pas grave. Donc stop plus 2, plus de risque dans le trade. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre, hein, surveiller le flow et attendre. Ça passe pas. Bon. Donc c'est quand même une belle amorce de rotation, hein, si elle se confirme pas, bah, ça sera dommage. Parce que c'est joli quand même. Il y a beaucoup de vendeurs dans le marché, ça a du mal à passer. Regardez cette pression au-dessus là, avec ce large tracker. Beaucoup beaucoup de vendeurs dans le marché. C'est un marché qui est bearish, le pétrole en ce moment, donc être à l'achat dessus c'est compliqué.
Donc si jamais ça part dans l'autre sens, j'étais en train de regarder un point de sortie. Pour l'instant, ça part pas dans l'autre sens, hein, mais c'est au cas où. Il y a cette... Single print on the night. Aux alentours de 47-76. Ici. Il y a le POC volume de la session cache, 47-64. Mais ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Et si jamais ça casse au sud, on verra ce qu'on peut faire. Ouais, 47-73, c'est un bon point pour sortir si on arrive à y aller, mais ça va être compliqué. Hein. Ça y est, ils sont passés. Vous voyez, ça, c'est des stops acheteurs, des buy stops qui sautent. C'est le stop des, c'est les stops des vendeurs qui sautent. Tout ça, c'est des stops qui sont en train de sauter. Voilà, 73, c'est la zone que je m'étais donné pour objectif. Qui va avoir du mal à passer. Sur cette cassure là. Et il y a beaucoup de stops au-dessus. Énormément de stops au-dessus. Je vais me mettre juste en dessous les 73. En protection.
une belle rotation up sur le pétrole suite aux inventaires. Passer cette zone de single overnight. Il y a une autre zone qui est intéressante, 48, mais bon, est-ce qu'on va continuer jusque-là? Là, on a une forte contrepartie vendeuse en face de nous. Mettre mon stop juste en dessous ce support. Regardez, ah, puis si je suis sorti du marché, c'est pas grave. C'est un très très beau trade. Voilà, je suis sorti. Voilà, bon bah c'est très bien. C'est normal que ça ralentisse, hein. On est dans une zone de. Une single, elle est overnight, elle n'est pas d'hier, mais quand même. Et en plus, sur le long terme, vous voyez que c'est une zone de cassure, donc c'est défendu. Ça va peut-être continuer à monter, mais c'est défendu dans un premier temps. Et tout ça a été alimenté par des stops des vendeurs, quoi, en fait. C'est pour ça que si ça continue à monter, ça peut continuer à monter longtemps comme ça, parce qu'il y a plein de stops, plein de stops. Mais ça peut aussi s'arrêter là, justement, parce qu'on est sur un point clé. Moi, j'ai fait mon trade, je suis tranquille. Avec un contrat, c'est bien. Allez. Je vous laisse, les amis. Je vous souhaite un bon trading. Vendredi, j'ai une interview Bookmap, Velox Pro, Bookmap m'a demandé de faire une interview. Donc c'est en français, hein, ça sera en français. Alors eux, ils vont parler anglais et tout, mais moi je répondrai en français. L'audience va être anglophone, donc ça va être un peu compliqué. Alors je voudrais qu'il y ait pas mal de Français qui viennent. Donc les gens qui m'apprécient. Je vais mettre le lien dans la description pour le webinaire. Je vais regarder où est-ce qu'on peut venir le voir en direct. Je vais regarder ça, je vais me renseigner et je vous mets le lien sous la description. C'est vendredi à 16h, heure française. Allez, ciao les amis. J'ai fait aussi une interview avec Fabien Labrousse de Vidéobourse hier. Elle est sur sa chaîne, hein, si vous voulez aller la voir. Il l'a mise en ligne hier soir. Vous pouvez aller la voir. Et voilà. Et puis, on va bientôt faire un webinaire avec Thierry pour parler de la prochaine session de notre formation présentielle qui va être les 3 et 4 mai, dans un mois et demi. Les réservations sont ouvertes, hein, il y a déjà quelques inscrits. Inscrivez-vous rapidement parce que, bon, plus on est de fous, plus on rit. C'est une belle aventure. Honnêtement, c'est super sympa. Donc, je vous conseille si vous voulez des renseignements, je vais vous remettre mon mail et celui de Thierry. Mais si vous cherchez à améliorer votre méthode actuelle ou changer une méthode, je vous conseille prenez déjà vos renseignements, écrivez-moi ou écrivez à Thierry, et puis on vous répondra. Allez, ciao les amis.